Yo tout le monde, c'est Link et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle vidéo bon plan de l'Epic Games. Comme toutes les semaines, on se retrouve sur Epic Games pour le ou les plusieurs jeux gratuits. Donc cette semaine, deux jeux offerts. Le premier jeu, c'est Lumberjack, jeu que je connais vite fait de nom. Mais c'est tout, je n'y ai jamais joué. Le jeu coûte de base 12,70 €. Il est gratuit jusqu'au 8 août 2024, 17 h, comme d'habitude. Il est développé par Final Boss Games, édité par Armor Games Studio. Il est sorti le 11 août 2022, donc il y a 2 ans, voilà. Sauve l'environnement avec ta hache en fendant et recyclant tous les objets créés par l'homme qui sont sur ta route et en résolvant des puzzles avec tes charmants amis animaux. Donc le jeu a l'air plutôt sympathique, ça a l'air d'être un petit jeu d'aventure, exploration. C'est un jeu de casse-tête et c'est compatible à la manette et ça se joue solo et le jeu est disponible en français, je vois pas. Si, français. Non, attendez. Ah si, français. Il est en tout premier, il le voit pas, il n'y a pas d'audio, donc voilà. Donc voilà, le jeu a l'air sympa, on verra ça dans le gameplay. Donc moi je vais l'ajouter au panier parce qu'il y a un deuxième jeu à récupérer. Sinon vous cliquez sur obtenir. Mais comme ça je fais les deux jeux en même temps. Le deuxième jeu c'est Roman Food Fighter Arena. De base c'est un jeu qui est gratuit. Voilà, je ne connaissais pas. C'est un jeu qui est de base gratuit. Et donc peut-être qu'ils offrent des trucs. Roman est un jeu de tir en arène multijoueur délirant et rafraîchissant. Mettez-vous en plein la panse en solo ou invitez jusqu'à 3 potes pour partager un délicieux festin dans des bastons gastronomiques aux quatre coins de la planète. Ah oui, et donc d'accord, c'est ça. Il nous offre un des sets, quoi, un truc exprès pour le jeu. Voilà. Donc comme je vous dis, ouais, ça, le jeu a l'air lourd, cool. On verra bien dans le gameplay, comme je vous l'ai dit. Donc ouais, il nous offre. Ça nous offre un truc gratuitement, alors que le jeu est gratuit, il nous offre un petit skin, je pense, un truc comme ça, on verra ça ensemble. Il y a des contenus additionnels, ça doit être pour la monnaie premium. Alors là, c'est pour récupérer de la monnaie premium, donc voilà. Donc vous cliquez sur ajouter au panier, comme ça vous avez vos deux jeux qui sont ajoutés dans le panier. Donc le jeu qui coûte 12,79 € Lumberjack, qui est à 0 €, et puis le jeu qui est gratuit de base. Voilà, vous économisez 12,79 € vous cliquez sur paiement. Là, je suis un peu fatigué, la chaleur elle est en train de me tuer totalement. Je sais pas si je serai vivant jusqu'à la fin de la vidéo. Et donc voilà, là, vous confirmez la commande, il n'y a pas besoin de mettre de carte bleue, I accept. Pourquoi c'est écrit en anglais, à moitié en français, je sais pas, c'est Epic Games, c'est voilà, c'est normal, on va dire. Et voilà, les jeux sont ensuite dans la bibliothèque. Voilà, les deux jeux sont là, Roman Food Fighter et Lumberjack. Je vais les installer, tac, voilà, il fait 8 Go et l'autre, si j'ai bien vu, il fait à peu près 1 ou 2 Go, voilà. Hop, le premier, il y a 43 succès, ça c'est cool de voir des succès et tout. Et hop, Lumberjack que je vais installer. Et on se retrouve tout de suite bah, pour les gameplays de Lumberjack. Si vous vous en foutez des gameplays, on se retrouvera la semaine prochaine avec plein de jeux offerts. On aura un pack dans Apex Legends offert. Il y aura Guinea, All Guns Blazing et DNF Duel. Voilà. Tout ce qui sera offert la semaine prochaine, mais ça sera la semaine prochaine. Nous, on se dit à tout de suite pour les gameplays de Lumberjack et de Roman. Allez, à tout de suite. Et de retour pour le gameplay de Roman. Donc voilà le truc qu'ils nous ont offert dès que vous lancez le jeu et que vous acceptez les conditions du jeu, là, eux, là, je sais pas quoi. Ils vous offrent voilà, le truc offert gratuitement. Voilà, il faut juste aller dans le store et récupérer les trucs. Donc, je vais faire le training pour voir comment ça se joue. Et alors, ils disent compatible manette. La manette n'a pas l'air d'être très compatible. Enfin, si, elle doit être compatible, mais il faut régler la manette. Peut-être que la manette PS4 ne fonctionne pas. Et donc, voilà, Link, il y a Lettuce Wind, Spaghetti Crime, Julia Jinx 4 et Obturacy. Bon, après, c'est que des. C'est des. Comment ça s'appelle? C'est des bots. C'est pas des vraies personnes, parce que là, c'est le tutoriel. On va apprendre à jouer. Roman et ensuite on va aller récupérer le truc. Alors le jeu, le son du jeu, il est pas fort du tout. Voilà. Faudrait aller chercher checker dans les trucs, mais j'ai le son du jeu, il est tout bas. C'est bizarre. Et ça met du temps à charger. Allô? Ah oui, d'accord, le jeu, il charge, mais là il est dans une boucle intemporelle. Dans une boucle de l'infini. Espérant qu'on va pouvoir jouer. Ah, le jeu là il est dead. Allez! Ah, j'ai réussi à faire bouger la souris. La souris en 1 FPS et demi.
Non, la souris veut pas bouger. Si c'est ça, à chaque fois que je lance une partie, on va très vite. On va très vite abandonner le jeu. Ah, let's go! Alors je pense qu'on peut jouer à la manette, mais la manette est pas trop compatible. Donc ok, c'est un FPS. Attendez, on va régler quelques options déjà. Déjà, est-ce que le jeu peut être mis en français? Parce que là, on l'a en anglais, mais il n'y avait pas écrit qu'il était en français le jeu? Je sais plus. Oh là là là, mais le jeu il est en galère. Je pense que je vais baisser les graphismes parce que même pour ouvrir les options, il y arrive pas. Ah mais déjà, la résolution est pas bonne. Comme ça c'est réglé. Oh là, allez, le jeu. Je peux rien faire. Pas ma résolution. Ah d'accord, ma résolution n'existe pas. MDR. Y a pas le 1900 machin. Bon, on va rester comme ça alors. On va mettre en 60 FPS, je pense. Ça va être bien. On va mettre en good. Tac. Voilà, l'audio. Voilà, c'est mieux avec le son à fond. Donc ouais, le jeu n'est pas disponible en français. D'accord. Ah, j'y ai cru. Je croyais que le jeu était en français, mais non. Allez, on va save tout ça. On va espérer que ça marche un peu mieux. Ah, les contrôles, j'ai oublié de les changer. Est-ce qu'on pouvait changer les contrôles? Donc j'ai un peu augmenté le son, c'est cool. Sauf que ouais, le jeu il est en galère, comme vous pouvez le voir. J'ai baissé la qualité, mais soit le jeu il est mal géré, soit mon PC il est en fin de vie. Et je suppose plus la deuxième solution que la première. Ça se trouve c'est le jeu qui est mal opti. Au moins le son il fonctionne, au moins le son il est un peu mieux que tout à l'heure. Il est un peu plus fort. Oula. J'ai entendu des trucs comme si on a cliqué sur des icônes. Ah, j'ai juste save les trucs. Oh là là. Mais bon, le jeu. On va faire un petit tour comme ça pour voir le jeu. Alors, ça a l'air d'être bien. Mais pour l'instant, j'ai toujours le problème des contrôles. Est-ce qu'on peut les changer? On peut pas. Ah si, rebind control. Hop. Là je veux du Z et là je veux du Q, tac, et là je veux du A. Voilà, et je pense qu'on est bien. Ça fait des bruits bizarres. Hop, on save les contrôles et on dégage. Ok, c'est bon, on y est. Donc ça a joué pendant que. Attendez. Ok, il faut charger une attaque. Oh là là là, j'ai fait mon premier kill. Attention, le deuxième. Donc on charge une attaque et bim. Ah, j'ai raté. Bam! Il est en feu! Il veut m'attaquer. Bam! Après, c'est que le. Ok, donc on a une attaque primaire. Qui est. Bah, qui est que tu charges et tu. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Ouais. Ok, j'ai pas compris. What? Et avec le bouton gauche de la souris, on a un bouclier. Voilà, on a un bouclier. Et là, on attaque avec le bouton droit. Le bouton gauche, on attaque. Et le bouton droit, c'est un bouclier. Ah, il faut garder les zones, ok. Faut récupérer cette zone, tac. Je sais pas jusqu'à quand et on la récupère. On gagne des points, d'accord, c'est cool. Let's go, j'ai mon ulti avec le bouton R. Ok, donc ça, c'est des zones à récupérer, ok. En vrai, c'est juste un tutoriel. J'ai appuyé sur le bouton. Non, ça fait rien. Ok, ça fait rien. Ah, ici, ça a l'air de jouer. Bim! Après, comme je vous ai dit, c'est que des bots, donc. Raté. J'ai envie de tester mon ulti pour voir ce que c'est. Hop. Ah, il est pas mort. Ah, parce qu'il était avec son bouclier. Ah, je vais détruire son bouclier. Ok. Alors,
Alors c'est quoi mon ulti? Vas-y, voyons voir. Waouh! Waouh waouh waouh, c'est une attaque tourbillon à la Zelda. À la The Legend of Zelda, trop bien. Bim. Allez, allez, voilà. Ok, ça on a testé. Oh, il y en a un espèce de dash. Ah oh, ouais, on glisse, ok. Il faut... Oh là, ça c'est un tremplin, ok. Ok, on peut faire un double saut. Ça c'est trop bien. On... Ok, voyons voir maintenant où est-ce que je peux aller. Et avec eux, je peux monter ce... Ah, je peux... Ah! Ok, on peut placer des murs de protection, d'accord, comme Fortnite, quoi. Ok. Alors ça, j'ai pas compris ce que c'était. Donc je monte dessus, c'est ça? Hein? Quoi? Je comprends pas ça. Vous savez quoi, on va quitter le tutoriel et on va tester en jeu quoi, parce que là, il y a des items. What? Oh si! Je me suis fait tuer par le truc. The Cruel World a tué Link. D'accord. Ok. Et hop, je reviens. Ok, quand on spawn, on a un petit bouclier de quelques secondes, c'est ça? Ok, j'ai envie de voir le reste. C'est quoi ça? Ok, c'est un truc, un boost pour... ok. Et donc, on a des items. Genre, il y a cet item-là. Non, je me suis trompé de bouton. C'est le bouton F pour récupérer les items. Tac. What? Waouh! Ça m'a fait péter. Et ça met un... Et ça met un nuage qui doit faire, je pense, des dégâts aux ennemis. Là j'ai ça. Ok, ça me redonne des points de vie. Ok, ça va me redonner des points de vie ou un bouclier. Ça, ça fait quoi? Ça met un bouclier, ok. Ok, c'est une tourelle qui attaque les ennemis. Que les ennemis ou... Ouais, que les ennemis. Parce que moi, si je passe devant, ça fait rien. Ok, sympa. Ça on a vu, ça on a vu. Et ça. Ok, c'est un petit tutoriel pour nous apprendre... Il faut qu'il y ait des joueurs. Où est-ce qu'il y a des... Où est-ce qu'il y a des ennemis? Ok, ça nous téléporte. Oh, ah, oh, trop bien. Tu prends le contrôle de l'ennemi. Enfin, il a l'air de se contrôler automatiquement. Ah non, c'est moi qui ai le contrôle. Et je tape, ok. Oh, stylé. MDR. Ok, d'accord, j'ai compris. On va s'arrêter là pour le tutoriel. Si le jeu... Oh là, le jeu il est mort. C'est bon. Allez, une petite dernière ulti pour la fille, pour la fin, pour la forme. Ouais, non, il veut, si c'est bon. Bim. Waouh, le jeu, oh, calme-toi. Calme-toi le jeu. On va arrêter là, on va arrêter le massacre ici. Exit to main menu. Hop. Ok, on a compris. On va aller récupérer le petit cadeau gratuit offert. Et on va peut-être faire une petite game. J'espère que les games ça dure pas 15 ans. On a pu voir un peu le tutoriel, voir les différents items qui sont dans le jeu. Donc on peut avoir une tourelle, on peut avoir un bouclier. On peut avoir un truc qui nous fait voler, là, qui nous fait péter, qui nous fait voler. On peut avoir un truc qui prend le contrôle de l'autre ennemi, des ennemis. Et après on tape. Et on peut... Le jeu est mort. Et on peut... Et on a un truc qui explose au contact ou un truc comme ça. Pas très bien compris. Il tombe par terre et après il doit exploser je pense. Donc faut mettre l'endroit où il y a beaucoup d'ennemis quoi. Et se partir très vite pour pas mourir. Ok. Temps de chargement normal. Ok, on y est. Donc ils ont dit d'aller dans le store. Hop. Oulala. Et tout est en train de... Et donc, il y a le truc gratos. Il est là. Voilà. Il est là, le truc gratuit offert. Tac, on va le récupérer. Ok, c'est bien. C'est un skin de notre arme. Et on va purchase. Hier. Yeah. Et voilà. L'achat a été fait. Let's go. Voilà, c'est ce qu'il nous offre. Et on va l'équiper. Voilà, c'est très bien. Alors, dans Customize, bah, c'est là où on peut... Oh, on peut mettre un... Qu'on peut customiser notre personnage. Un homme ou une femme, ok.
Ok, la dimension de la tête, la taille. On peut mettre des tatouages et tout. Vas-y, hop. Ok. Et on peut lui mettre une. Ok. On peut lui mettre un nouveau aucun skin de machin. Ok, sympa. Sympa, sympa. Air color. Bim. On peut lui changer la coupe de cheveux. Putain, il y a beaucoup de coupes de cheveux. Je sais pas ce que c'est le petit thermomètre. Les customisations, elles sont cool. Je vais enlever les barbes. Voilà, il est pas beau. Il est pas beau notre personnage. Ok, et donc ça c'est l'équipement. Genre il y a des skins de hop. Truc. Et ça c'est voilà, c'est le truc qu'on a. On a soit la casserole normale, soit celle-là. Ok, il y a des gants. On peut changer de gants, vas-y, le noir c'est très bien. Et on peut lui mettre un masque. Ok, non, un masque Covid, non. Et on a les différents ultimates, sauf que pour l'instant on a que cet ultimate. Le Jawbreaker. Ok. Customize, qu'est-ce qu'il manque encore? Qu'est-ce que. Ah oui, c'est parce que j'ai pas vu la louche, ok. Hop! Donc customize, lunge pass. Ok, c'est un pass de combat. Normal, tout ce qu'il y a de plus normal avec combien de niveaux? 50 niveaux? Non? 100 niveaux? Ouais, 100 niveaux, c'est ça. Et tous les 2-3 niveaux, il y a un truc qui est gratuit, ok. Normal, sinon il coûte 1000 trucs comme ça, je sais pas combien ça fait, donc là, je peux gagner une poêle. Il y a des challenges, donc c'est des challenges journaliers, etc., etc., normal, pour gagner, je pense, des points pour le pass de combat. Voilà, tout ce qui est plus normal dans ce genre de jeu. Allez, weekly. Ok, le fameux store. Voilà. Alors 1000, c'est à peu près 8 euros. Et il y a un leaderboard avec les meilleurs joueurs. Ok. Et donc dans play, qu'est-ce qu'on a? On a le training qu'on a fait. On a le quick play et on a les private. Ok. On n'a pas beaucoup de choix de partie. Et donc bon, on va faire une petite partie. Ensuite, on s'arrêtera là pour Wow, je sais plus quoi. Mec, il est fort, il connaît les trucs, donc voilà, il cherche un match. J'ai zéro dents et zéro truc comme ça, et là, il y a quoi? Ok, c'est pour les settings. Language, bah français, pourquoi le jeu n'est pas en français alors? Merde. Ah, bah voilà, c'est bon, le jeu est en français. Au revoir, c'est ici qu'il faut changer le truc. Et là, c'est les amis, ok. Et là, c'est pour les paramètres. Ok, bah voilà, c'est bon. Passe déj. Donc voilà, le jeu est en français, c'est bon. On a mis le jeu en français. C'est très cool. Ah, le truc de... Ok, comme ça on peut voir. Donc là il reste 12 week-ends, enfin 12 semaines, 13 semaines, 14 heures. Parce que c'est les défis journaliers et 3 jours pour les défis saisonniers, enfin hebdomadaires, voilà. Voilà, donc dispute 20 matchs en jeu rapide, 2 matchs en jeu rapide. Ah oui, si tu en fais 30, t'as tout gagné quoi. Et là, c'est genre dispute 1 match en jeu rapide, 2, 3, 4, 300, j'ai pas vu, 300 quoi. Ok, c'est bon, on a trouvé un match. Let's go. On va voir ce que ça va donner. Je vais être nul parce que c'est le genre de jeu où je suis très nul. Je peux bien éclater en vrai, mais je suis une merde. Voilà. Hop, on est dans le jeu. 50. Ah, on peut changer le coup ultime. Non, non, je vais pas quitter le lobby. Sauf que moi, j'ai qu'un ultime, donc... Allez, 12 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... 3, 2, 1, let's go! Bonne année! Ok, c'est du 4v4. Les adversaires sont déjà prêts et nous on est en train de charger. Ok, du 4v4. Ça se joue en 4v4, d'accord. Espérons faire une plutôt bonne, bonne partie. J'espère que vous n'entendez pas le voisin qui nous fait des. Équipe boulette de viande, utilisez vos forces pour fourrer la boulette de viande géantissée dans l'extracteur. Ok. Faut mettre la boulette de viande dans l'extracteur. J'espère que vous n'entendez pas mon voisin qui fait de la perceuse. Sinon j'en suis désolé. Oula, allô le jeu. Le jeu il a dû commencer sauf que moi. Okay.
Let's go! Ok, l'extracteur, ça doit être ça, je suppose. Oh, je comprends toujours pas ce que c'est, tant pis. Bon, allez, on y va, let's go! J'ai fait un premier kill ou j'ai juste. Oh, j'ai fait un kill! Let's go! Est-ce que je peux pas lancer cette tarte? Oh oui! Oh là, j'ai pris des dégâts. Tiens! Tiens! Let's go! Je vais te tuer! Vas-y, est-ce qu'on peut lancer un piège à tarte? Dommage, raté. Allez, on va placer ça là. Oh, il me soigne, lui, il est gentil. Oh, je vais mourir. Eh, je m'en sors pas mal, en vrai. Ok, c'est un pote, merde. Eh, le jeu, il gère bien. Eh, la boulette de viande, elle est là. On a gagné! Enfin, je sais pas si on a gagné, mais... Ah! Loser. Oh. Bon, je joue pas beaucoup l'objectif. Allô le jeu. Ah ouais, j'ai vu ce ici. Let's go. Wow, je suis mort. Il y a quelqu'un qui avait une mitraillette. Ça devait être l'ulti. Bon, j'ai été KO, ça va. Je suis à 3 kills, 1 assist. Non, une mort, 3 kills, 6 kills et 3 assists, si je comprends bien. Le... Et donner du jeu. Je sais pas si on gagne, on est en train de gagner, ce que je vois. Et je sais pas, je trouve pas d'ennemis. C'est tellement cher. Enfin, ça c'est un pote. Oh. Oh, je contrôle la boulette de viande. Je sais pas où est la... Où est la... Les ennemis, les français. Oh, les français, tout. Mais la zone où je dois aller. C'est là-bas. Ok. Hop, 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 hop. Non. Pourquoi j'ai sauté? Oui, let's go. C'est moi qui ai mis la boulette. J'ai marqué le but. Peut-être le but de la victoire. J'ai aussi plus de vie. Je voulais dire où était le but. Je sais pas pourquoi. Pas pourquoi j'ai dit je parie de France parce que je regarde les JO en même temps. Oh là là là. C'est la merde, je suis mort. Mais c'est pas grave. C'est toujours comme ça, on revient vite. Ah, mais je suis trop tactique aussi. Ah, ils sont deux sur moi, ils sont deux. Aïe aïe aïe, au secours. Je fais plus grand chose là, j'ai envie de dire. Aïe 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 aïe. Il se passe quoi? On a gagné! On a gagné 142 à 34. Let's go!
Pourquoi je suis trop fort? Bon, j'ai pas fait le meilleur, ma meilleure partie, mais au moins, je voilà. C'est Nemesis, le MVP du match. Il était dans l'équipe adverse. Il a raté son salto, le pauvre. Bah voilà, bah, c'est une bonne partie qu'on a fait. On a gagné, voilà. J'ai fait un score de 30. C'est pas le meilleur score que j'ai fait. Mais je suis meilleur que tout le monde. Que l'autre équipe, quoi. Bon bah voilà, c'était cool. Ro fighter, je sais plus quoi. C'était très cool. Je pense que je jouerai de temps en temps. Et puis ouais, non, j'ai pas envie de continuer. Je vais partir. Allô, je vais partir. Hein, quoi? Non, je prends le mago, j'ai pas envie de partir. Moi, je prends le mago. Est-ce qu'on peut combattre pour avoir un bonus? Oh non, bah les couilles du bonus. Moi, je pars. Moi, je partage. Moi, je suis quelqu'un qui partage. J'espère que tout le monde va partager. Ah, on est deux qui veulent se battre et deux qui veulent partager. Super. Bon bah, on va devoir le faire. Super. On va nouvelle partie. Ça va être du 2 contre 2, c'est ça? Ah, il reste 8 secondes. Au moins, elles sont courtes les parties, ça va. Je dis ça, la vidéo là, elle va durer 2h30 parce que l'homme... l'homme Bearjack, là, je vais mettre 15. Je vais faire une vidéo de 15 minutes, de 35 minutes. Le jeu est cool en vrai, il est assez. C'est assez sympa, c'est drôle. Voilà, pas prise de tête. Après, peut-être que plus tard, vu que le jeu vient de sortir, il y aura des. Morts subites, le dernier survivant gagne. Ok, c'est une mort subite. Je pense que. C'est une bataille royale quoi. Je pense que le jeu aura des parties classées. Ah, moi je vais mourir, j'ai perdu. Il y aura des parties classées, je pense, au fur et à mesure. Du temps qui passe si le jeu fonctionne et le jeu moi il a crash, donc voilà, vous voyez, je vais perdre le jeu. Déjà il fonctionne, il galère à charger chez moi, donc non, c'est bon, un go. Donc c'est du chacun pour sa peau. Je vais essayer juste de pas être le premier à me faire casser la gueule, ça serait bien. Bon, ils sont où les autres aussi? Faut que je trouve les autres. Ah, ça. J'en ai trouvé un. Je vois pas où ils sont. J'ai un truc pour soigner mes coéquipiers, mais je m'en branle de soigner mes coéquipiers. Comment j'enlève cette merde? Il y en a deux. Ah, on est plus que deux. Je suis en finale. Mais où? Putain, ça envoie des. Il est où le gars? Ok, j'ai un. Il est où? Il est où? Oh, il a une mitraillette, je vais mourir. Ok, c'est bon. Let's go, j'ai gagné! Let's go! Oh là là, je suis trop fort! J'ai rien fait de la partie, j'ai gagné! Juste mis le coup final. Aïe 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 aïe. Bon bah voilà, on aura au moins vu une victoire. Félicitations, tu as gagné 2 victoires. Une en équipe, une tout seul. Qu'est-ce que tu veux? Je suis le plus fort. Allez, je vais partir. Allez, vous dégagez tous. Quoi? Ah, il m'applaudit. Oh oui! Voilà, j'ai été levé le bras tel un boxeur. Oh. Voilà. On va quitter le lobby. Ah, j'ai quitté là. On va arrêter le jeu, on va arrêter la partie ici. Oh, on va gagner de l'XP. Waouh! Waouh! J'ai passé niveau combien là? Waouh, le jeu. Ok, niveau 2. Ouais, je suis niveau 2. J'ai réussi, j'ai gagné des objectifs et tout. Bah voilà. Et bah voilà! Une bonne partie de ce jeu. Ce jeu très cool. Voilà, on va s'arrêter là pour le gameplay de ce jeu. Oh! Ah oui, le cadeau gratuit! Le cadeau gratuit, voilà, j'ai droit à une nouvelle marmite et qu'on va équiper. Voilà, ma nouvelle marmite et j'ai gagné 20 dents.
Voilà, donc, bah voilà, j'espère que ce jeu vous plaît. Moi, il m'amuse, il m'éclate, voilà. Pour une fois que c'est sur un jeu, c'est un jeu sur lequel je suis fort. Voilà, donc on va se retrouver tout de suite pour le gameplay de Lumberjack. À tout de suite. Et de retour sur Lumberjack, où le jeu commence direct. J'ai appuyé sur un bouton, j'ai oublié de mettre le record en route. Et voilà, on reçoit le Forest News avec un bateau qui pollue, c'est ça? Alors le jeu est compatible manette. Parce que je vais jouer à la manette, je pense. Et c'est mignon! C'est très mignon! Le jeu est en français, parce que quand j'ai lancé le jeu, il y avait qu'appuyer sur un bouton. Qu'on a une petite hache. Ok, c'est un petit jeu. Ok. Est-ce que je peux faire des trucs? Ah, je peux lui parler. Non, je le caresse. Oh, je vais le caresser et tout. Ok. Ok, on peut donner des coups de hache. On peut pas. Ok. Je peux pas détruire ça. Là, il y a un piège. Hop là, le piège. Oh, je l'ai détruit. Je détruis le piège. Est-ce qu'on peut courir? Est-ce qu'on a un bouton pour courir? Non. On a un bouton pour zoomer. Ok, il fallait passer par là, ok. Est-ce que je peux détruire ça? Ouais. Comme d'hab, comme pour tout à l'heure, j'ai toujours le voisin qui fait de la perceuse. Ok, il faut détruire toutes les merdes là. Ah, hating. Tiens, je suis plus un transporteur, ah, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, on peut bouger la... Ok, on peut bouger la caméra. Ah, on a débloqué, on a refait la zone. Ok, il faut détruire tous les objets pour que la zone soit libérée, on va dire. Ok. Regardez, hop là, une nouvelle zone de libérée que j'ai remis au vert. Ok. Toujours pas? Non. Et lui, il dit un truc? Non, je peux juste le caresser. Ah, vraiment pas d'autres boutons? Non. Ok, il danse, vous avez vu ça, il danse. Allez, tiens, détruis-moi ça, hop, je récupère plein de trucs. Oh, il y a un monsieur. Oh! Ah, je lui ai donné une claque au monsieur. MDR, et après, je le caresse. MDR! Ah, je m'attendais pas à ça. Ok, on récupère des points, je suppose. Je sais pas ce que c'est. On verra peut-être plus tard, bim. Hop. Donc, le but, c'est de sauver. Hop là, nouvelle zone 2, sauver. Là, on va sauver cette dernière zone, je suppose, avec les derniers trucs à détruire. Hop, encore ça. Voilà, let's go. On a récupéré, on a remis une... Ça, on va détruire. Il pollue l'eau là. Et bah voilà, une bonne chose de faite. Est-ce qu'il faut que j'aille revoir quelqu'un ou c'est bon? Et bah voilà. Non, je pense qu'il faut juste que je continue un peu marcher dans l'eau. Il est très sympa le jeu, il est très chill, très reposant et tout. Ah, la claque qu'on a donnée à l'humain, je m'y attendais pas. Il est parti l'humain? Ah oui, il est parti. Ah non, il est là. Et là, je peux aller là. Oh, oh là, il nage. Oh, il fait même du dos et tout. Léon Marchand, il est avec nous. Un cœur. Ok, salut, encore le journal. Et il y a un chien qui dort. Putain, on a retrouvé Léon Marchand. Vous avez vu ça? Chargement avec le Teki. Ok, donc là, on est dans une nouvelle zone. Oh. Ah, et ça c'était le niveau 1, donc on a sauvé l'humain et on a récupéré le truc, si je comprends bien, c'est ça? Ça doit être ça, ok, donc c'est par niveau, ok, là je suis rentré dans le niveau. Ah non, mais on en connaît. Passer, hop. Peu, carte du monde, voilà, hop. Ok, j'ai compris. Donc là on est dans une zone. Et donc cette zone, on l'a fini à 100%, comme on peut le voir. Ok, là je viens de détruire un truc. Et là c'est un nouveau niveau. Où il faut récupérer, trouver l'humain, libérer toute la zone et trouver le piège à ours. Ok, d'accord. Et en plus, on a des cinématiques à chaque niveau. Oh, c'est cool. Ah, c'est avec un écureuil. Oh oh. Oh oh. Il va faire détruire son arbre, lui. Et ça doit être un boss, je suppose. Tiens. Tiens. Et vile mon cul. Est-ce que dans les options on a 2? Alors ça c'est niveau 1. Ok, on a tout réussi comme on peut voir, on a la coche. Ça c'est niveau 2. Et 1, c'est les... Ok, se déplacer, couper, on peut fabriquer, faire tourner la caméra, agrandir, pause. Ok, il n'y a pas grand chose. Pourquoi c'est en anglais et que c'était écrit en français?
petit bug du jeu. Voilà. Vibration. Non, c'est chiant les vibrations. Ok, c'est bon, on y est. Ok, donc là c'est... Ouais, ok. Là on est dans la petite cabane sous l'arbre. Et on va pouvoir, ce que je comprends... Oh, il y a un humain. Oh, il est au chiotte l'humain, regardez ça. L'humain a été au chiotte. Au chiotte l'humain. Non, vas-y, je veux que tu tapes l'humain. Bam! La claque. Oh, maintenant il fait du... Il joue avec les... Avec des avions en papier, c'est trop bien. Je peux détruire... Oh, non. Ah non, je peux pas détruire la cabane. Enfin, je pense trouver le moyen de la détruire, cette cabane. Hop, on dégage ça, on dégage ça. Ça, je peux pas le détruire non plus. C'est rien de taper 15 fois dessus. On a bien vu que je peux pas détruire. Je peux pas rentrer dedans, je sais pas. Bah allez, tape le plot. Je veux que tu tapes le plot. Vas-y, merci. Je peux monter dessus, non? Ah si. Mais même en montant dessus, ça ne change rien. Ah, il y a le piège à ours. Il y en a un ou plusieurs pièges à ours, je sais pas. Tiens, on détruit les voitures. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Mon truc est plein, c'est ça, ce que je comprends. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand il est plein? Ouais, il est plein et je fais quoi avec? Ah, on peut construire, attendez. Vas-y, construction. Hop. Ah, ok, ça a permis de construire une nouvelle hache. Ok, donc là, je peux détruire les trucs plus gros, c'est ça? Oh oui, let's go! Mais c'est trop bien. Et là, on va pouvoir taper le monsieur. Ah non, pas tout de suite. Et maintenant, la petite claque au monsieur, voilà. Et ça, on peut... Oh là, on peut détruire la machine. Let's go! Et voilà, on a sauvé la zone. Pourquoi cette zone pas? Pas cette zone. Ok, lui, il est content. Ouais, un petit cœur. Là, on a terminé le niveau. Mais moi, j'ai pas terminé. Oui, non, je n'ai pas terminé, moi. J'ai pas terminé, parce que je pense qu'il faut que je détruise ça. Ouais, c'est ça, je pense. Voilà, let's go. Et lui, il est en train de faire du hamac. C'est bon, on a terminé. Il y a des ça à détruire. Voyons voir, est-ce que... Oh, il y a un truc là. Je t'ai vu, toi. Ah non, c'est des oiseaux. Est-ce que si je fais start... Ah oui, il y a tout, regardez. On a tout réussi. On a fini le niveau à 100%. Ah, le jeu est très cool. Ah, il est en train de... Oh, ouais. La manette qui s'est déco. Ah, la manette. Eh, le jeu, il est très cool. Oh merde, j'ai fait passer. Tant pis, il nous a récupéré un truc. Et voilà, nouveau niveau fini. Et bah, vous savez quoi, on va s'arrêter là. Voilà, vous avez compris le jeu. Le jeu est cool, j'aime beaucoup. Et je suppose que pour... Ah oui, d'accord, et pour passer au niveau super suivant, je suis obligé de détruire ça, sinon je peux pas passer derrière. Ok, et bah, c'est sympa comme petit jeu. Je peux faire un truc avec lui. Ah oui, on peut le sauver. Ok, donc il y a même des humains. Ah, il y a un humain là-bas que j'ai pas à sauver. Dans le monde... Ok, dans l'Overworld, on peut aussi sauver des humains. Ok, sympa. Et bah, ce petit jeu est très sympathique, voilà. Donc, bah voilà, on va s'arrêter là, c'est pas... C'est un peu la même chose, on va dire... Oh, attendez, on a des vêtements. Oh, on peut changer de vêtements et tout, sauf que là, pour l'instant, j'ai rien, ok. Bon, bah voilà, c'était Link. J'espère que ce bon plan de l'Epic Games vous a plu. Ce petit jeu est très cool. Je vais continuer à y jouer, c'est sûr. C'était Link. J'espère que ce bon plan vous a plu. Si ce bon plan vous a plu, vous pouvez commenter, liker, vous abonner, partager et activer la cloche. On se retrouve ce soir. Et oui, pas à 15h30, je pense pas, parce qu'avec la chaleur, ça va être très compliqué, mais 21h, vers 21h, pour le live de Danganronpa. Je vais faire un petit message sur Discord, comme ça vous le saurez, mais voilà. Donc on se retrouvera vers 21h pour le live de Danganronpa ce soir, et sinon, bah, on se retrouve la semaine prochaine, sauf s'il y a bon plan avant. Pour le bon plan de l'Epic Games, avec plein de jeux, ça va être très très un épisode de la semaine prochaine très dense, voilà. Parce qu'il y a trois trucs offerts. C'était Link, j'espère que ce bon plan vous a plu. À la prochaine tout le monde, bye bye.